J'arrive à capter son énergie, mais aucune de mes attaques ne l'atteint. J'ai enfin compris. Hé, hey, viens par là! Je suis prêt à t'affronter, c'est quand tu veux. Il provoque l'ennemi pour ensuite fermer les yeux. Qu'est-ce qu'il fabrique? À quoi il joue maintenant? C'est quoi ça? Vous vous focalisez tous beaucoup trop sur la source de son énergie. Ce type n'est pas invisible et il n'a rien de spécial. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle vous ne l'avez pas atteint. C'est parce que c'est un insecte humanoïde. Un insecte humanoïde? Alors c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à te toucher. Il se défend pas mal. Tant mieux, ça va au moins nous distraire un peu. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je t'ai déjà dit que c'était inutile! Ce genre d'attaque n'a aucun effet sur moi! Je vois ça, bravo! C'est plutôt impressionnant! Puisque tu es si fort, ça t'ennuie pas si on passe à la vitesse supérieure! Qu'est-ce qui ne va pas? Je croyais que ça ne faisait aucun effet! Alors voyons si ça ne te chatouille pas même un petit peu! Ça alors? On dirait que notre méthode a fait de l'effet finalement. Quelle idée de rester planté là en nous laissant attaquer sans réagir. C'était une tactique complètement stupide. Espoir repose sur toi maintenant. Quoi? Non, qu'est-ce que tu vas faire? Ce sentimentalisme humain est plutôt ton truc, pas vrai? Non, c'est 18! C-18 est sortie de l'arène, elle est éliminée. J'y vais! C-17, qu'est-ce que tu... Où tu vas? Vos quatre, tenez bon, je vais m'occuper de lui! Quoi? C'est des sept! C'est impossible, Anilazar! On dirait que son réacteur d'énergie a été sévèrement touché. Dévoile le Super Saiyan en toi en t'abonnant et découvre d'autres vidéos de Dragon Ball Super.